C'est pas normal, hein, faire ça. Je suis en Johnny Ramis. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est une trop belle journée. Il y a la mère de Salim qui est venue, la sœur de Salim avec les enfants, la cousine de ma mère et ma mère. Et en fait, c'est ma mère qui part au bled, donc elle est venue à la maison avant pour comme ça. Bon, ça va être un peu dur parce qu'elle va partir et que ça va être vide sans elle. Et la mère de Salim qui revient du bled. Du coup, ça fait un échange. Et journée, j'ai trop eu envie de couscous, enfin celui de ma mère. Et comme je sais qu'elle va partir un moment, je lui ai demandé, enfin elle m'a proposé de faire un couscous et j'ai pas dit non. Donc en plus, on va le faire dehors avec la tabouna, un peu comme au bled. Enfin au bled. Un peu comme à la campagne en vrai, parce qu'au bled, enfin en Algérie, ils font couscous dans leur cuisinière, hein, normal. Et là, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer vite fait un peu les préparations, et je vais vous montrer le repas, et je vais pas filmer les mamans, évidemment. Pour moi, ça, c'est les meilleurs moments. Je sais pas si j'ai bien regardé où il fallait, mais je vous embarque avec moi. C'est trop bien cuisiner à l'extérieur. Ouais, j'aime bien. Moi, tu sais quoi que j'aime bien? C'est que même si ça gicle, bah, tu ne nettoies pas. Oui, ça, j'aime bien. C'est pas là que... Wallah, mais... Il n'y a pas de gazinière à nettoyer. Wallah, même trop le cousin. C'est clair. Ça sent ouais, tellement on bon. A on a embaumé le parc. On a parfumé tout le parc. Au couscous. On a la sauce... Les légumes qui sont en partie cuits. Mais tout le beurre, les frères. Ouais, vas-y. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est beurré, le couscous. On va cuire maintenant les courgettes. Les... Qu'est-ce qui manque? Les courgettes et les petites pommes de terre. Des pois chiches. Un petit truc en sel, ça poulet, il est cuit. On a mis les courgettes du jardin de la voisine. Et là, on est sur la Kessala Constantinoise. J'ai rajouté Constantinoise. On est... Bon, on est sur la galette, calmez-vous. Je sens les commentaires, les gens ils vont dire ah, c'est nous aussi on fait. Je rigole. Non, non, le bistro, tu me l'as fait. C'est sûr, c'est toi qui l'as fait, c'est sûr. Je vais mettre les gens, ils font des barbecues, tout à nous. On fait des cassoulets. Ah, non. T'as dit quoi? T'as mis des petites graines de gel, ah ouais. De cumin noir. Ça, c'est trop bon. Cumin noir. Ouais, regarde, on le voit là. C'est pas cumin noir. On dit cumin noir? Non. Sinouge. Sinouge. Mais je crois que tu dis cumin noir, ça c'est l'autre nom, il me semble. Ah ouais, cumin noir? C'est un autre nom pour Niger. Vous on parle pas ou on parle? Si, vous parlez, c'est un moment en famille normal. Voilà, et évidemment, je vais pas filmer les mamans, mais s'il vous plaît, le résultat. Ouais. Voilà, on mange, on est bien en famille. Nous deux. Et regardez, on mange tous dans le même plat, hein, normal, la baraka. Et Linda, chacun pour sa life. Je sais qu'il y en a plein qui font pareil, comment? Non, mais Linda, regarde, la baraka, elle est là. Baraka, elle est là. Elle est là. Ouais, mais baraka, baraka. Mais en attendant, elle est là. Regardez comme les trois, les gars. Ouais, mais moi je filme donc je mange rien. Allez, salut tout le monde. J'aime mon chambé. Ah ouais, il est bon. Ah, c'est trop un régal. Le ghetto djibouli, il y en a marre de choses. Combien il fait? 1,39. Mais par rapport au citron djibouli. 1,39. C'est nose, hein. C'est pas cher. C'est du jus de citron vert concentré, mais en vrai, c'est un sirop. Et il est super. Je ne suis pas kabyle, même si j'ai une très belle robe kabyle. C'est ma belle-mère qui me l'a offerte. Elle m'en a offert deux et j'aime trop. J'aime trop les décorations en kabyle. Je trouve ça trop beau. Voilà, donc je suis trop contente. Mais ça change rien. Voilà. Je suis algérienne. Je suis. C'est pas important. Voilà.
Mais je sais qu'on va me poser la question à cause de la robe. Attends. Du cinéma. Ma belle-mère a raconté une histoire, une story time horreur. Mais les vrais. Il faut faire silence, hein. Ouais. Si vous parlez, je bah, ouais. Mais c'est vrai, hein. Bah oui. C'est pas de la colonie ni des conneries. Pas de la colonie. La colonie, la colonie, elle a dit. La colonie. Voilà, je pense qu'elle a mélangé tonnerie et comédie. Même chat. Je suis pas sûre. Je raconte rien du tout. Non. Non, tata, j'ai attendu ce moment. Aïe, pas savoir. Elle raconte trop bien. Ah, il mène la santa. Ah, mais tu fais des souris. Mais oui. Bah, laisse pas, c'est drôle. Il est monté, il avait une tenue blanche. Ton frère. Il est monté du cinéma. Linda vit sa meilleure vie. Il est monté, tranquille et tout. Nous, en descendant de la cité, tu as vu où c'est? Ouais. Avant, il y avait beaucoup de moudjahidine et des militaires qui venaient de cette rivière-là. Qui marchaient de cette rivière. Il a trouvé un homme assis au bord de la rivière. Alors, mon frère, il arrive. L'autre, il lui dit, Oh, mais il y a des zélamites. Allez, il lui a dit, Smahli, mentkiyifs. Il lui a dit, je ne fume pas. Je fume pas. Le monsieur, il a fait ça, il a soulevé le machin. Il lui a dit, c'est des pieds de chèvre. Ah là, c'est la chair de poule. Où t'as ça, hein? Ah là. Mon frère, il courait, il va arriver à la maison, ma mère, elle lui a ouvert la porte, il est tombé. Non. Il m'a dit, ferme la porte. Ma mère, elle lui a mis de l'eau, elle lui a mis réha, elle lui a devenu pâle. Il m'a dit, je rentre, elle m'a dit, ma mère, chère, toi, la nuit. Tu viens tout seul, la nuit, à minuit, au bord de la rivière. Au bord de la rivière, c'est pas la bâche. Il marchait tranquille, il vient de la mer. Avec le singe. Il vient, celle-là, c'est après. Il vient comme ça et tout, il marche et tout, il vient. Salmane, va t'asseoir, s'il te plaît. Ta mère, quand elle finit, elle va te donner. Où il y a les arbres et tout, ouais. La rue de la Madrague. Ça va passer à la Madrague. Oui. La pointe, il y a un grand bassin d'eau. Ouais. Il arrive là-bas. Il trouve une femme assise. Assise, mais elle lui a donné le dos. Ouais. Il lui a dit, salam alaikum. Où est-ce qu'il dirait? Non. Il y a le marat, il y a un problème. Elle lui a dit, rouh, ya wlidi, rouh. Elle lui a dit, amdik zharani ntubit, jharani noublid. Et c'est vrai, c'est pas des mensonges. C'est pas des blagues. Un jour, il a trouvé un singe. Ouais. Il l'a mis comme ça. Ouais. Quand il est arrivé dans ce bassin-là, le singe lui a mis les deux mains pour mon frère Ahmed comme ça et puis il marchait. Mon frère Ahmed lui a enlevé, il lui remettait les mains sur les yeux. Ça veut dire que tu ne regardes pas. Mais quand la femme elle va dire Roh Aliya, tu as vu, il y a des arbres. Ouais. Mon frère Ahmed n'est pas venu sur la route. Il a cassé des arbres, jusqu'à ce qu'il arrive à la cité. Arrête. Oh là, il a dit, c'est vrai. C'est des vrais, ouais. Des vrais. Ouais, ouais, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Ouais, quand ouais. Il y avait le Bougari, c'était une sorte de marée aussi. Petit déjeuner avec le kasra de la veille. On est bien. Voilà, c'était trop bien. On est bien. On est bien. Téléman, c'est pas trop bien d'avoir des poules? Si. Pas de gaspillage, comme elle a dit Selma. Là, on a le choix entre le magnésium et le reste. Maman, mange ça, c'est du magnésium. Non. Comment non? C'est pas du magnésium. C'est du magnésium, maman. Mais non, maman, ça c'est pour les gens. Malakimendish, ou taxi khalsa.
la guêpe dans le café. Bon, je m'excuse par avance parce que le pare-brise est absolument ignoble. On s'en fout, regarde. Mais c'est juste trop beau, je suis obligé de filmer. On arrive à Bourg-Saint-Maurice et on en profite, on va aller voir la coopérative si elle est ouverte, mais je pense pas, pour acheter du Beaufort. Si je devais garder qu'un fromage. Qu'un fromage. C'est le Beaufort. C'est le Beaufort. Coopérative laitière de Haute-Tarentaise. On arrive, t'inquiète. Ça y est, Salim, il va reprendre son accent. Ouais, bonsoir. Comment elle s'appelle la vache d'ici? La Tarine. Voilà. De la Haute-Tarentaise. Je reconnais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben oui, mais ils ont pas le temps, hein. Ils ont vraiment pas le temps. Ah, oui. Ah, mais j'avais vu Jérémy Colanta, ouais. Qui était venu là, dans cet hôtel là. Ah ouais? Ouais. Voilà. Là. Le B. Jérémy, notre copain. Voilà. La presse Vitalie. La gare de Bourg-Saint-Maurice. Il n'y a plus de station après. Non, c'est la fin. Ça a l'air d'être ouvert. Hein. Ah, c'est ouvert. Yes. Et on va aller straight to the Beaufort. Carte d'affinage du Beaufort. On a Beaufort d'été, Beaufort de pas d'été. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'il expliquait, c'est que c'est du. Ils peuvent pas prendre l'appellation Beaufort d'alpage. Non, parce qu'on est une coopérative. Et en fait, c'est du lait mélangé de plusieurs producteurs. D'accord. Et l'appellation Beaufort Chalet d'alpage, c'est d'un seul troupeau. D'accord. Ah, bah il tu doit vois. Être fait en alpage. Voilà. Et en plus, il doit pas avoir le tirage sous vide qu'ont les coopératives. Il doit être tiré à la toile. Ah, voilà. Voilà. Merci. Voilà, bah, donne une explication. Bon, il m'a saoulé avec son gymnase, là, tout pourri. Oh, le fameux gymnase. Fameux que pour lui. Regarde, collège avec lui. Regardez la vue. C'est marrant le dôme. Bah moi c'était pas du tout comme ça. Ça a bien changé, il paraît que maintenant c'est un lycée. Chaud. Voilà, le collège où Salim a fait des bêtises. Oh, oula, que oui, oula, que oui, que oui, que oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit instant cuisine. J'ai décidé de montrer un peu plus ma tête parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant les montages qu'on voit jamais ma tête. Même si c'est pas hyper intéressant, on va pas se mentir. Je vais préparer le repas. Salim avait envie de riz japonais. C'est bon, là j'ai montré ma tête. Maintenant, je vais montrer ce que je vais faire. Bien rincer le riz. Bon, normalement, faudrait même le tremper. Bon, j'ai sorti mon rice cooker. Il cuit super bien le riz. Mieux que moi, c'est pour vous dire. Rice cook. Non, riz, oui. Ah, ensuite, je sélectionne le riz. Donc, c'est un riz japonais, donc court. J'ai mis l'eau, hein, évidemment. Et c'est parti. Mon kiki. De l'huile. Un peu d'oignon. Quand vous savez pas ce que vous allez cuisiner, parce que là j'y vais en total impro, la première chose que vous faites c'est couper un oignon ou acheter des oignons coupés. Hein. J'ai trouvé ce que je vais manger moi à la place des crevettes. Je vais me faire une escalope végétarienne parce qu'elles sont trop bonnes. Avec la friteuse, enfin, le four air fryer. C'est mon amour pour cette friteuse sans huile qui me fait tout, absolument tout. Je n'allume quasiment plus le four. Économie d'énergie, économie de chaleur, économie de tout. J'en parle tout le temps sur Insta. Au pire, je vous remets le lien en barre d'infos. Mon riz cuit. Regardez qui va là. Oh, mais oui, tu sais très bien que tu vas rentrer. Évidemment. Of course, tu fais partie de la famille maintenant. J'ai décidé de rajouter. On dirait que j'ai pris une décision incroyable. Des poivrons. En plus, c'est les poivrons du paysan d'à côté. Donc, je vous raconte pas le... c'est bon. Je vais faire façon un peu asiatique. J'essaierai de bien caraméliser les oignons. Hein. Ça allait trop vite. L'escalope est déjà cuite à parté pendant que les poivrons cuisent. J'ai acheté ce gâteau chez. Regardez comme il est trop mignon en forme de cœur. Salim m'a dit non seulement il est moche, mais en plus il donne vraiment pas envie. J'ai goûté du coup, moi je pense que ça se voit. C'est pas waouh, c'est très très correct avec le café, ça passe très très bien. Non, c'est faux. Pas très très bien. Ça passe bien. Un peu de chisel. J'oubliais toujours un peu de vinaigre de riz là pour le relever. Pas mal à la cuisson, hein, pas à la fin. Mais on est pas mal. Bon, normalement, à la fin, il faudrait mettre une bonne poignée de coriandre fraîche, mais j'en ai pas. J'ai coupé de la nette qui est frais, mais je suis pas sûr du. Je suis pas sûr que ça nous vienne la nette sur les crevettes. Parfait. Oui, ok, il a fini. Ensuite, je vais faire mon mélange avec. Le vinaigre de riz, sel et un peu d'eau, et je vais mélanger avec le riz comme si je faisais un riz à sushi en fait. Vous voyez, et mettre de l'ail, j'achète l'ail comme ça moi dans des gros pots, soit dans les épiceries turques, soit dans les épiceries asiatiques. Hop, faut vraiment que ce soit aillé, aillé. Et comme j'ai pas d'herbe, je vais mettre un peu de ce mélange pour salade qui est très bon de chez Lidl. Ça fera très très bien à faire parce que la nette, je sais pas, je suis pas trop pour. En plus, on a un petit bouillon. Pour le riz, ça va être parfait. Ce qui est chiant, c'est comme je suis allergique aux crevettes, je ne peux pas goûter, donc je ne sais pas l'assaisonnement. Je
pas si c'est trop salé ou pas, ou trop ceci, trop cela. De toute façon, là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. J'ai pas mis de poivre, j'ai mis que la chili thaï pour relever. Ça, je sais doser, donc je sais que c'est pas trop piquant. De toute façon, Salim, il mange vraiment pas, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est au niveau du sel, je sais pas. Vu que là, j'ai mis de la sauce soja. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Oh là là. Petit mélange eau, vinaigre, sel. Vu que nous, on est des grands consommateurs de riz. Regardez. Ça n'a pas collé au fond, c'est extraordinaire. Cet appareil, il est génial. Il est génial. Et moi, avant, je faisais le riz, surtout le riz à sushi, je le faisais dans les casseroles, enfin, classique. Ça collait tout le temps au fond, c'était une galère. Là, regardez. Et le truc, là, est amovible, évidemment, le truc. Le contenant est pas sur la vaisselle. Ça a cuit à une vitesse. Je vais goûter, je pense que c'est bon, hein. Pas besoin de plus de liquide. Je vais quand même rajouter une petite noisette de beurre au riz. Regardez-moi cette beauté, cette nonchalance. Bibi qui part là-bas. Voilà son plat. Attendez, focus. Il est trop content, je sais. Oh, tu m'as fait du riz. Ah, si vous voulez ma réaction. Il est trop content. Oh, tu m'as fait du riz à sushi. J'adore ça. Personne ne fait de riz comme toi. Ah ouais. Bon, c'est pas, c'est du vrai riz à sushi et tout, mais j'ai mis du beurre quand même dedans. Et ça, c'est le sauté aux crevettes et au poivron. Ça, oui. Quoi? Je sais pas l'assaisonnement. Quoi? C'est une dinguerie. Ah ouais? Bah, tu vois, sans goûter. Oh là, ça c'est bon. Mon Dieu, ça c'est une tuerie. C'est vrai? Là. Ah, voilà. Bah, vous avez la recette, hein, je l'ai faite avec vous. J'ai inventé la recette en votre compagnie. Bon, bah, sur ce, les amis, bon appétit, bien sûr. Je vous ai pas montré mon plat en fait, mais en même temps, il est pas... c'est pas le plat de Salim, quoi. C'est un peu moins cuisiné, on est bien. Du coup, je vais rajouter sur mon poivron. Un petit filet d'huile d'olive. Ouais, quelle misère. Du bled. Non, kabyle. Merci. La meilleure huile d'olive, celle-ci. De Tawala. Regardez, ça fait presque une heure hein, que ça maintient au chaud. Comment je vais vous montrer? Regardez. Le riz n'est pas du tout sec. Je ne sais pas si on va bien voir. Tous les soirs, dès que j'ouvre la fenêtre, il y a un frelon qui rentre. Pas une guêpe, pas une abeille. Un frelon. Rien haut. C'est posé sur le drap de. Par contre, je le tue. Hein. C'est la nature, Linda. Non, non, ça, ça fait des dégâts de ouf. Tu peux voir? Oui, comment? Mais non, ça meurt pas, ça, c'est. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Est-ce qu'on le voit là par-dessus? Ah. T'as vu le flash? Non, pas du tout. Il est énorme. Regardez, on le voit bien. Allez, c'est bon? Attends, je leur fais un documentaire animalier. En fait, là, je suis sûr qu'on va voir un nid. Parce que tous les soirs, ils rentrent dans la maison. J'ai des frelons tous les soirs. Ouh là là, il est vénère. Ouh là 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 là. Parce que si j'ouvre et que je suis pas assez rapide... Ça. Moi, je suis très rapide pour ça. Tiens, toi, vas-y. J'ouvre et tu tapes? Ouais. Putain, dessus. Je l'enlève carrément. Hein. Vas-y. Un, deux, trois.